Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo en mode baladure la France, vous apercevez le Mont Blanc derrière moi. Je vais vous proposer quelques extraits d'une conférence que j'ai donnée au mois de juin dans le cadre du Festival de la Merveille et des Mystères en Normandie. Pour la publication de cette conférence sur ma chaîne, j'ai choisi de la réduire afin d'éviter les doublons avec d'autres vidéos de la chaîne. À cet effet, je n'ai gardé que principalement une petite introduction pour ceux qui n'auraient pas du tout connaissance de mes travaux et de passer directement au vif du sujet de la conférence. Vous allez donc découvrir au fil de cette conférence des éléments que je n'ai fait qu'évoquer brièvement lors de précédentes vidéos de la chaîne. J'aborde notamment diverses correspondances de cette œuvre toponymique avec des textes bibliques, principalement l'Apocalypse de Saint Jean, et également je fais part de différentes correspondances avec des symboles alchimiques, avec le tarot et d'autres éléments symboliques. La captation vidéo de cette conférence a été assurée par Antoine Station de la chaîne Miasme TV, et il a publié l'intégralité de la conférence sur cette chaîne. C'est évidemment avec son autorisation que j'utilise des extraits de cette captation, et ce qui explique que je garde son générique et le logo de sa chaîne. Bien entendu, je le remercie pour cette chaleureuse et efficace coopération. Bonjour à tous. Le titre que j'ai adopté aujourd'hui, œuvre toponymique des Templiers, donc ça passe par les noms des villages, message initiatique, j'appelle ça aussi de temps en temps le testament spirituel. Je ne sais pas, contrairement au débat qu'il y a eu juste avant, s'il s'agit d'une machine à transformer, je pense que c'est plutôt un message qui doit être compris. Alors moi j'ai parcouru l'ensemble des lieux dont je vais vous parler, et quelques autres. J'ai effectivement été transformé à titre personnel, mais parce que à la fois des choses venaient me chercher, les synchronicités, des hasards, des sensations intérieures, mais aussi après mon deuxième ou troisième voyage, je commençais à comprendre la symbolique des lieux. Donc je pense que cette machine dont je vais vous parler, qui est sur toute la France, elle n'est transformatrice que si on est déjà conscient de qu'est-ce qui se passe à l'endroit où on va. Parce que je vais vous parler d'endroits que vous connaissez, mais sans savoir à quoi ils sont reliés, vous allez les visiter soit en tant que pur touriste, soit éventuellement sur l'importance, l'impact du lieu, qu'il soit historique, touristique, énergétique, symbolique. Là, on est sur une œuvre dont l'ensemble des alignements sont reliés. Donc ça, je parle plutôt de message ou de testament que de machine, mais si vous faites le voyage, vous verrez qu'il est quand même transformateur. Alors, ce que j'ai évoqué l'an dernier, c'est à partir de ces lignes-là, ma conclusion qu'il y avait deux œuvres de géographie sacrée sur la France. Donc voilà les deux représentations, une que je nomme Croix des Rois parce que je l'attribue à la famille royale, entre, on va dire, à partir de Philippe Ier jusque Saint-Louis, Louis IX. Et la deuxième, je l'attribue aux Templiers, on verra pourquoi. Pour ce qui est de la signification symbolique et initiatique de la Croix des Rois, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, Canal CJ, et cette dernière vidéo est intitulée « Chemin initiatique sur la France 1, la Croix de Pierre ». Symbolique chrétienne, mais signification universelle. Cette deuxième œuvre-là, je l'attribue aux Templiers. Elle est également basée donc sur des lignes de 666 km, et nous allons voir que les axes sont prolongés. Ici, on va se prolonger jusqu'à un village dont je parlerai tout à l'heure, et là aussi, et comme par hasard, ces axes-là sont les points extrêmes du territoire français d'aujourd'hui. Donc le plus à l'est, le plus à l'ouest, le plus au sud de la frontière espagnole,
une petite exception pour le nord, puisque c'était le point le plus au nord du territoire français avant le rattachement de Dunkerque à la France. Donc on est à Gravelines, à l'embouchure de l'Aa, rivière que les cruciverbistes connaissent, mais qui est le point de départ, et là on va retrouver la cabale. On part de A à l'est, on va à Tave, la dernière lettre de l'alphabet, et on revient à A. Et l'Aa, pour moi, dans ce que je vais vous décrypter, en termes d'hypothèse, évidemment, j'ai pas la vérité, c'est le chemin spirituel. On part de cet endroit supérieur, on va à Malhout, tu parlais de Malhout, hein, Keter, Malhout, on va retrouver ça aussi sur ce cheminement. Alors, le chemin que je vous propose aujourd'hui, c'est d'abord de vous rappeler brièvement la structure de cette œuvre que j'attribue aux Templiers, et de voir pourquoi j'attribue aux Templiers. Essayer d'être bref. On verra dans un deuxième temps, de façon brève également, les différents symboles qu'on peut y voir, mais qui sont en correspondance avec des graffitis ou des fresques templières. Ce qui va me permettre justement de justifier le lien entre les Templiers et cette œuvre-là. Ensuite, très brièvement, je vous montrerai les différents symboles qu'on peut tracer avec ces différentes lignes. Il y en a plein. Mais ce qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, ce sont ces trois parties-là. Un, c'est on va voir que ces œuvres-là sont manifestement liées à des versets de l'Apocalypse, principalement, et un petit peu au livre d'Isaïe, Jérémie, mais principalement l'Apocalypse. Et là, on va rentrer vraiment à fond dans la toponymie et différentes correspondances avec des traditions anciennes. Je vais vous parler du tarot, parce qu'on en a parlé un petit peu, je vais vous parler d'alchimie et je vais vous parler de cabale. Et parce qu'on va retrouver l'arbre des séphirotes dont tu parlais tout à l'heure, on va retrouver l'échelle de Jacob, on va retrouver le Graal, évidemment, parce que je prétends que le Graal des Templiers, c'est ce qu'ils ont dessiné sur la France. Alors je suis très embêté avec ça, parce qu'il y a des fois, on se demande qu'est-ce qu'on va en faire, quelle est la responsabilité qu'on porte, etc. La première chose, c'est déjà transmettre, et puis voir ce que j'en ai compris. Et ce que j'en ai compris, bien entendu, je le répète, ce ne sont que des interprétations personnelles, étayé à la criminologue, c'est-à-dire quand même avec des arguments que j'estime assez solides. Voilà. Donc, allons-y, allons-y. Une structure extraordinaire. On va mettre tout de suite le kilométrage. Voilà. Donc, vous avez une énorme croix dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez des diagonales qui font toutes 666 kilomètres. Et vous avez, alors le sceau de Salomon, il n'est pas purement équilatéral. Néanmoins, après m'être dit, bah, il y a une erreur quelque part, c'est moi qui ai dû la faire, il se trouve que la ligne centrale qui est ici, on ne peut la tracer que quand on a tracé les autres. C'est la dernière ligne possible. Et on va se rendre compte que la toponymie des lieux qui sont aux deux extrêmes et au centre fait la preuve par neuf. Pour ceux qui ont été à l'école ancienne, que bah, a priori c'est bien ça, ce sont bien ces points-là. Pourquoi? Parce qu'ici nous avons un lieu-dit, plusieurs lieux-dits, mais un lieu-dit qui s'appelle notamment Noiron. Exactement à équidistance de ce côté-là, nous avons un village qui s'appelle Sainte-Marie-la-Blanche. Noiron-la-Blanche. Mais c'est pas suffisant, parce qu'en plein centre, dans les différents lieux-dits, il y en a un qui s'appelle la Blanchisserie. Noiron. La Blanche est exactement au milieu, pile poil, vous avez la Blanchisserie. Mais c'est pas suffisant. Vous avez ici un lieu-dit, à côté de, un peu à quelques kilomètres de Noiron, qui s'appelle Le Démon. Et un des quartiers de Sainte-Marie-la-Blanche s'appelle Le Paradis. Et exactement au milieu, à côté de la Blanchisserie, un lieu-dit s'appelle Le Loquet des Enfers. Vous avez Le Démon, Le Paradis, pile poil au milieu, le loquet des enfers. Ça va? Mais c'est pas suffisant. Vous avez ici le petit hameau qui s'appelle Bournezeau. Bournezeau, en patois local, ça veut dire les petites eaux. Et Sainte-Marie-la-Blanche, dans le temps, s'appelait Sainte-Marie-Albiac. Et en patois local, ça voulait dire la haute fontaine. Les petites eaux, la haute fontaine. En plein milieu, vous avez un lieu-dit qui s'appelle le gué. Et ce gué, dans l'axe vertical, va correspondre au gué du Yabok, qui est l'endroit où Jacob a eu son rêve. Pour moi, donc ça, c'est l'interprétation que j'en fais. Les lieux-dits, c'est factuel. Les kilométrages, c'est factuel. L'équidistance, c'est factuel.
Alors, nous avons un certain nombre de lieux, donc je vais commencer à évoquer l'importance au fur et à mesure. Donc, cette structure-là, sur la base, vous avez les diagonales, vous avez les segments également sur l'axe vertical. On a un segment de 666 km depuis ici, qui est le château de Salvaterra à Hautpoul, dont on sait qu'il a été construit par Jacques Ier d'Aragon, qui a été en captivité pendant son enfance à la forteresse de Monzón, forteresse de Monzón, qui est une des forteresses majeures des Templiers en Espagne. Donc Jacques Ier d'Aragon a été tutoré, éduqué par les Templiers. Et il construit un château, pile poil à 666,6 km de l'île de la Cité, qui s'appelle le château de Salvaterra, je disais tout à l'heure, Hautpoul, code postal 66 600. Bon, hein. Code postal, ça date de 1972. Donc, est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce que c'est quelque chose qui nous dépasse, qui a bouclé ce résultat-là? Je vous en laisse juge. On a un autre segment de 666 km également, qui va de cette pointe de l'étoile dont je vous parlais tout à l'heure, un petit mont qui s'appelle l'Aubrespy. L'Aubrespy en occitan, ça signifie l'aube épine. L'aube épine est un arbre que plantaient les Templiers dans leur commanderie systématiquement. Et évidemment, alors il m'est arrivé, le début de mes aventures commence exactement à cet endroit-là. Alors que j'ai pas du coup rien du tout cherché, hein. Je me suis inscrit à un stage de développement personnel. Et puis au fur et à mesure, je vais comprendre que je suis exactement à la pointe du Sceau de Salomon. J'y ai passé une dizaine de stages à cet endroit-là. Donc le hasard m'a conduit à cet endroit-là. Et ce mont se situe également à 666 mètres d'altitude. Bon, voilà. Et il y en a plein comme ça. Ici, vous avez également 666 mètres d'altitude au pied de la grotte de la Sainte-Baume, dans le village qui s'appelle Le Plan. Et le lieu-dit en question s'appelle la Magdala. Donc c'est pas la grotte exactement, parce que la grotte exactement, elle a 667,2 km. Par contre, en bas, à 660,6 km, le lieu-dit la Magdala, à côté du village Le Plan, donc Le Plan, pareil, y a-t-il un plan? Est à 666 mètres d'altitude et à 666 km de l'île de la Cité également. Bon, bref. Donc, et puis alors, je vous ai parlé de la rue Saint-Pierre tout à l'heure, donc l'Aubrespy est à 666 km, 6 du prieuré de la rue Saint-Pierre. Je viens de parler de la prieuré, donc on est chez les cisterciens. Cette œuvre, pour moi, elle est principalement œuvre templière, mais les cisterciens sont dans le coup, et les prémontrés sont dans le coup. Ce sont trois ordres qui sont apparus à peu près en même temps, hein, au début du XIIe. Ce sont trois ordres qui ont connu un développement absolument extraordinaire. Les prémontrés, c'est moins connu. Les prémontrés, c'est un ordre de chanoines. Donc, les chanoines, ce sont des vivent en communauté, mais font œuvre de, on va dire, d'évangélisation, alors que les moines cisterciens restent à l'intérieur des monastères. Et donc, ces trois ordres-là se sont développés de façon exponentielle, et pour moi, c'était lié au projet d'arrière-plan qu'avaient notamment les comtes de Flandre et le comte de Champagne de la Res Publica Christiana. Et ce que je vais vous décrire là, c'est probablement lié à cet enseignement de ce qui serait nécessaire de comprendre ou des étapes qu'il est nécessaire de franchir pour aboutir à ce projet de Res Publica Christiana, République chrétienne. Alors, avançons. Ça, je vous ai évoqué déjà. Celle-là, on va la passer. Oui, alors c'est quand même, c'est intéressant de se dire que nous démarrons à un dolmen, la Christiana. Donc là, on est au mégalithique. L'Aubrespy, 666 mètres d'altitude, une des deux lignes centrales, 666 mètres d'altitude, les trois lieux dont je vous ai parlé, le Loquet des Enfers, le Gué, la Blancheterie, 166 mètres d'altitude, et la rue Saint-Pierre, 66 mètres d'altitude. Et tout ça, ce sont des croisements et des endroits qui ont vraiment... Alors ça, c'est vraiment factuel, c'est pas de l'interprétation, il suffit de le mesurer. Donc c'est assez étonnant. Et ce qui est rigolo, de constater également, c'est de se rendre compte que il y a une logique masculin-féminin à chaque fois. Vous avez toujours, alors je ne vais pas vous dire pourquoi, ce serait trop long, mais un lieu qui symbolise le féminin suivi d'un lieu qui symbolise le masculin. Et comme par hasard, quand vous faites l'addition des écarts sur les quatre axes, vous obtenez encore une fois exactement, vous avez fait le calcul vous-même, 666. Je le rappelle, pour ceux qui seraient inquiets, que 666, tu as bien fait de le dire, c'est le chiffre de l'Apocalypse et non pas le chiffre du diable.
C'est un chiffre qui, à mon avis, il faut relier au calcul sexagésimal, c'est-à-dire les mathématiques qu'utilisaient les Babyloniens. Ah, je rappelle que celui qu'on nomme Saint Jean, qui a donc utilisé ce chiffre dans son Apocalypse, est un Hébreu, est un Juif. Et que chez les Juifs, qui est l'ennemi, qui est la bête immonde, c'est Babylone, l'histoire des exils. Et donc le chiffre de la bête, c'est le chiffre de Babylone, pour moi. On est plus proche des différentes interprétations. Il y en a d'autres, mais celle-là me va bien. Voilà. Donc voilà pour la structure générale du truc, mais je vous ai dit que nous n'allions pas trop nous attarder. Je passe sur l'histoire de Saint-Georges, quand même brièvement, sur l'axe horizontal, pour vous dire qu'il n'y a pas de hasard. En fait, il y a des villages qui racontent l'histoire de Saint-Georges et le dragon. Vous avez exactement sur l'axe, hein, pas à côté, hein. Donc on commence par Saint-Georges, Saint-Jure, donc le village s'appelle Saint-Jure, mais c'est un village en Lorraine. Donc la Lorraine a été allemande un bout de temps, et donc Saint-Jure c'est Saint-Jürgen, et Jürgen c'est Georges en allemand. Donc Saint-Georges va secourir le village de secours, monter sur son destrier, le village de Destrie. Alors Mottern, c'est le bout, c'est là que c'est un village en Alsace qui s'appelle donc Mottern. En anglais on dirait Modern. Donc ça veut dire la mer, effectivement, mais en alsacien, le TH se prononce T, donc Mottern. Et ce village s'appelait avant Matra. C'est un nom celte. Matra, qui est la déesse celte de toutes les eaux. On verra que c'est intéressant parce que l'autre côté, le village s'appelle Locrist, et il s'appelait auparavant Porth Lyoghan. Et en breton, soit ça veut dire le port de la lumière, soit ça veut dire le port de Loug. Et Loug, c'est le dieu le plus important du panthéon gaulois. Celte. Donc vous avez Loug, la lumière d'un côté, Matra, la déesse de toutes les eaux, à l'autre extrémité. Nous sommes sur les points les plus extrêmes du territoire français. Donc là, il y a une reprise par les Templiers de l'imaginaire celte, on va dire, et des positionnements celtes. Et pourquoi je dis les Templiers? Parce qu'il est certain, on le sait, que le village de Locrist, il y a plusieurs Locrist en Bretagne. Celui-là, c'est le Locrist près du Conquet. C'est certain, c'est avéré, c'est prouvé, c'est historique, c'est créé par les Templiers. Donc là, il y a volontairement la marque. Et il y a plusieurs endroits comme ça où on va retrouver la marque des Templiers, soit directement, soit indirectement. Et voici. Alors, je ne vais pas tous vous les faire, mais à chaque fois que vous voyez du rouge, c'est soit vous avez une commanderie à proximité, soit vous avez un nom de lieu qui correspond à voilà, la mythologie templière. Par exemple, ici, Saint-Just-la-Pendue, seigneurie de l'Aubépin. L'Aubépin, l'Aubépine. Vous avez, donc Salvetera, je vous ai parlé tout à l'heure, les Templiers étaient les précepteurs de Jacques Ier d'Aragon. Là, vous avez la commanderie du Mas Déhou, qui est une des commanderies les plus importantes d'Occitanie. Là, Mottern, vous avez un quartier qui s'appelle Dorntail, et Dorn, en alsacien, c'est l'épine. D'accord? Bon, à côté du Mont-Saint-Michel, vous avez le gué de l'épine. Donc tout ceci sont des anciennes propriétés, des fermes templières, des champs et des forêts, etc. Voilà, donc il y en a plein, et il y a plein d'endroits comme ça qui me font dire qu'il n'y a pas photo. Cette œuvre-là est manifestement voulue par les Templiers. Pourquoi est-ce que mon temps démarrer? Parce que j'ai pas de commanderie tout près, et j'ai rien trouvé dans les appellations. Alors il y a des appellations très rigolotes, très significatives, on verra tout à l'heure. Mais j'ai pas de traces de commanderie, de propriété templière avérée. Donc je l'ai barré parce que j'ai rien trouvé en lien à cet endroit-là. Ok. Alors, symboles en correspondance. Je vais pas tous les faire, je vais en choisir un ou deux. On va commencer par ce qu'on a à la rue Saint-Pierre. Ça, c'est l'église de la rue Saint-Pierre dont vous avez parlé tout à l'heure. Et il y a une autre église sur l'autre croix qui est l'église de Bilk. Bilk, c'est juste à côté de Saint-Omer. J'ai visité plein d'églises en France. Ce sont les deux seules sur lesquelles j'ai trouvé ces graffitis-là. Alors, il y en a peut-être ailleurs, hein, mais je ne les ai pas vus, moi, en tout cas. Et il se trouve que la rue Saint-Pierre, comme je vous l'ai dit, est exactement sur l'axe vertical de la croix de lumière, et que l'église de Bilk est exactement au point de départ de l'autre, la croix des rois. Et qui fait également 666 km de hauteur, et à un lieu-dit qui s'appelle La Croix. Bon, donc on ne peut pas se rater non plus. Et donc ce graffiti-là de la rue Saint-Pierre correspond à des lignes qu'on peut réussir à tracer. Alors là, je suis dans l'interprétation, évidemment. Donc toutes les lignes que je vous ai décrites jusqu'à présent sont des lignes
qu'on arrive à tracer avec nos 666 km, les lieux, etc. Et après, les symboles que je crée avec ces lignes-là, ça, c'est un choix personnel. Donc, on peut le remettre en cause. Néanmoins, on les trouve. Néanmoins, on les trouve. Voilà. Donc là, il n'y a pas photo. Avec certaines de mes lignes, on retrouve très exactement. Et ces deux églises-là ont comme caractéristique d'avoir été construites au XIe siècle. On est dans la période, donc fin de XIe, début de XIIe, on est dans la période où cette œuvre toponymique a été créée. J'avance et on va regarder, voilà, symbolique des doubles croix. Ça, c'est l'église de Serres dans l'Aude, qui est une église avérée templière. Il y a une fresque au plafond qui pose une énigme. Bon, pareil, mais bon, en y allant, il m'est arrivé des choses extraordinaires. Je suis, voilà, bon, je vous raconte pas tout, mais je suis tombé sur un gars qui était dans les mêmes écoles primaires que à Lille que moi. On est dans l'Aude, hein, d'accord, et qui s'intéressait aux Templiers. Et je vais visiter l'église, il y a personne. Je demande la clé à la mairie. Il y a un gars à la mairie. Il dit, je peux venir avec vous? Et au cours de la discussion, on parle des Templiers et autres, et il s'avère qu'il était dans les mêmes écoles que moi, à 1 000 km plus haut. J'en ai 40, hein, des comme ça, donc je ne vais pas vous les faire, mais c'est de la folie furieuse. Et donc pour moi, cette double croix, vous avez donc, le gars me dit, il y a une énigme, et bien, oui, je sais, je pense que j'ai les réponses, et que vous avez un axe horizontal pour deux axes verticaux. Bingo, c'est ce que j'ai sur la France. Donc on peut imaginer que ça, c'est un petit indice pour nous dire, on vous a laissé quelque part un axe horizontal avec deux axes verticaux. Et donc voici les deux croix en question, hein, donc avec les deux axes verticaux dont je vous ai dit tout à l'heure, qui sont différents. Ces doubles croix, vous les retrouvez là, sur le sceau des Templiers. D'accord? Petite parenthèse par rapport à Hugues de Pin, je vais me faire taquin. Le sceau des Templiers, c'est celui-là. Ben, il se trouve que le sceau de Hugues de Champagne, qui était donc le suzerain de Hugues de Pin, c'est exactement le même, mais avec un seul chevalier. Donc pour moi, c'est la signature d'Hugues de Champagne, le sceau des Templiers. On oublie assez souvent le rôle que peut avoir Hugues de Champagne, mais pour moi, Hugues de Pin ne fait qu'une seule personne avec Hugues de Champagne. J'ai un certain nombre d'indices dont nous parlerons pour pouvoir étayer cette argumentation. Alors, et la même chose à Bilk. Alors, cette fois-ci, alors ça, c'est très intéressant. Ça, c'est l'église de Monsonnès, qui est l'église Saint-Christophe. Bon, voilà. Il se trouve que le point de départ de l'axe vertical, c'est un dolmen qui est sur le mont Saint-Christo, qu'on peut traduire par Saint-Christophe, dans un village qui s'appelle Saint-Jean. On l'appelle Christophe-Jean. Et donc là, c'est une fresque qui est au plafond de l'église Monsonnès, qui est également une église templière. Donc ces fresques, on les doit aux Templiers. Donc, je vais agrandir cette fresque-là, et on va voir si par hasard, on pourrait pas la faire correspondre avec quelques-unes de mes multiples lignes. C'est pas évident, hein, comme ça. Dites oui, pourquoi pas, mais bon, ben voilà, exactement. Il suffit effectivement. De la retourner comme ça. Et comme il s'agit d'un dessin qui est au plafond, si vous le regardez depuis le cœur, il est dans ce sens-là. Donc là, on commence quand même à avoir des idées que c'est pas tout à fait idiot ce que je trouve sur la France par rapport à ce que nous ont laissé comme indice actuel les Templiers. C'est pas fini. Nous avons des graffitis connus par tous ceux qui connaissent l'histoire templière. Ce sont les graffitis de Dôme. Dôme en Dordogne, forteresse dans laquelle ont été emprisonnés les Templiers entre 1307 et 1314. Et donc, ils ont laissé des graffitis dans la pierre qui sont assez connus. Et si vous regardez ces différents graffitis, vous avez, alors ça, c'est le plus connu, ce qu'on appelle le graffiti du Graal. Là, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez, donc le Graal est là. Hein, ça, c'est le Graal qui est là, est agrandi. C'est un agrandissement de cette partie-là. Et ça, c'est un agrandissement de cette partie-là. Ça, vous retrouvez ce que je vous ai décrit tout à l'heure sur l'église de la rue Saint-Pierre et l'église de Bilk. D'accord? Et là, le Graal. Alors là, bon, celui-ci, évidemment, on a ça comme correspondance. Je ne prends que des lignes existantes, hein, je fais que reporter des lignes blanches sur les lignes que j'ai trouvées auparavant. Et le Graal, le voici. Mmh.
Alors, évidemment, interprétation, hein, mais c'est assez ressemblant, sauf ici les chevrons. J'ai tenté de prolonger, voir où ça m'amenait. Alors, il y en a un qui m'amène sur la commanderie de Bristol, en Angleterre. Il y en a un qui m'amène du côté du Danemark. Mais bon, pas, rien de très significatif, en tout cas. Mais bon, ouais, l'hypothèse que je fais, c'est que nous trouvons ce dessin, je rappelle, gravé dans la pierre par les Templiers captifs. Donc, ils ne savaient pas trop ce qui allait leur arriver. S'ils mettent ça dans la pierre, c'est qu'ils ont envie de nous dire, là, il y a quelque chose. Mais pour moi, ce quelque chose, c'est ça. Et j'ai, voilà, mon ego, un petit peu envahissant, me dit, mais c'est toi qui as trouvé le Graal, évidemment. D'autant plus qu'il m'arrive plein de choses avec la notion du Graal, et que, connaissez-vous le chevalier, le seul et unique qui trouve vraiment le Graal? Affirmatif. Ah, on voit qu'on a une... Exactement. C'est Galahad. Figurez-vous que je vous passe l'anecdote d'une rencontre avec quelqu'un qui vient d'Amérique latine, qui me dit, j'ai un Graal, je sais pas quoi en faire, etc. Je la rencontre à Toulouse, on discute un petit peu, et on se rend compte que non seulement elle est originaire du même village que moi, mais sa maison a été construite sur les terres de mon grand-père, où j'allais jouer quand j'étais gamin. Et qu'elle est allée à l'école, mon oncle lui a fait la cuisine pendant toute son adolescence, mon oncle était cuisinier de l'école, et son copain d'école habitait la maison où j'habitais quand j'étais petit. Et c'est pas fini, parce que plus tard je lui envoie le blason du village. Eh bien figurez-vous que c'est le blason de Galahad. Il y a des moments où vous avez sur les épaules un truc qui dit waouh, qu'est-ce qui m'arrive quoi, hein? Qu'est-ce qui se passe là? Bien, donc voici pour moi le Graal des Templiers. Mais ça, c'était les correspondances. Donc pour moi, ces correspondances, je vous passe sur le Baphomet, on l'a aussi évidemment. Je ne vais pas y aller. On va descendre. Sur. Voilà, les inspirations bibliques. On va commencer par celui-ci. Apocalypse 22.1. Il me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Un des lieux qui m'a mis la puce à l'oreille pour trouver l'axe vertical, c'est Aigues-Vives. Donc cette ligne bleue, c'est ce que je considère comme le fleuve de cristal, là, sur la France, passe par Aigues-Vives. Et également un autre lieu qui m'a mis la puce à l'oreille s'appelle Paraza. Et par, en celte, ça fait référence au chaudron, donc au Graal. Et c'est le village d'Aigues-Vives et le village de Paraza qui m'ont permis de trouver cet axe vertical. En regardant sur la carte, qu'est-ce que j'ai à équidistance entre Lourdes et la Sainte-Baume, par exemple, que je suis tombé sur ces villages-là. Je dis, oh là, ça me parle. Aigues-Vives, en fait, c'est la signification, certes des eaux de la naissance, mais également la naissance spirituelle. Voilà. Ensuite, l'agneau les conduira aux sources de la vie. Ce blason, c'est le blason du seigneur de Dun, le roi, qui est devenu vicomte de Bourges, et qui est selon, il s'appelle Eudarpin, qui est selon moi à l'origine des Templiers, parce que ça a été dans sa jeunesse, avant qu'il parte aux croisades, le tuteur, le mentor de Hugues de Champagne. Et ce Eudarpin a été fait prisonnier aux croisades, et il revient après 2 ans de captivité, et les historiens nous disent, il revient en ayant appris des choses extraordinaires inconnues des chrétiens. Chose extraordinaire, mais si c'est inconnu des chrétiens, c'est que ça a probablement à voir avec la religion. Or, ce gars-là connaît très bien Hugues de Champagne. Il va devenir, parce qu'il a vendu ses terres au roi de France, il a perdu tout son argent en étant prisonnier, il revient, il passe voir l'empereur de Constantinople, il passe voir le pape, il passe revoir le roi de France, et tous ces gens-là lui disent, bah, écoutez, vous allez vous faire moine. Hein, vous allez rentrer à Cluny, qui était à l'époque, que les cisterciens n'existaient pas encore. Et comme on peut pas mettre un personnage de cette envergure-là comme petit moine, il va très vite devenir prieur de la Charité-sur-Loire. Charité-sur-Loire, qui fut la deuxième plus grande église d'Europe à l'époque, après Cluny. Et cette abbatiale, dont les trois quarts sont tombés aujourd'hui, présente la particularité d'avoir, il y a 350 chapiteaux qui restent. C'est le seul endroit en Europe où vous avez zéro scène du Nouveau Testament sur les chapiteaux. Vous imaginez ça? Une église avec 350 chapiteaux, pas une seule scène du Nouveau Testament. Il y a 2 scènes bibliques sur 350. Les 2 scènes bibliques, c'est Samson en train de se battre avec les lions
Et l'autre, c'est Daniel dans la fosse aux lions. Et ça, c'est en lien avec Babylone. Et vous avez effectivement un personnage en croix dans les chapiteaux, tout le monde dit c'est Jésus. Non, 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 c'est pas Jésus, c'est Gilgamesh. Donc, qu'est-ce que nous dit Eudes Arpin, prieur de la Charité sur Loire, qui a été dépositaire de choses extraordinaires inconnues des chrétiens? Il nous dit, le Nouveau Testament et la Bible, peut-être qu'il faut remonter avant. C'est écrit dans la pierre, on le sait aujourd'hui, mais à l'époque, il fallait oser le faire. Et il était tellement surveillé que le pape en personne est venu inaugurer l'église, sujet en personne est venu l'inaugurer. Pour être bien sûr que, bon, tu l'écris dans la pierre, mais pour le reste, ça va aller, quoi. Mais il en parle à Hugues de Champagne. Et c'est justement dans ces moments-là que Hugues de Champagne va faire son premier voyage avec Hugues de Pin et Geoffroy de Saint-Omer en Terre Sainte. Donc je pense que c'est Eudes Arpin qui les incite à aller fouiller un peu plus loin. Voilà. Et d'où l'intérêt pour l'ésotérisme des Templiers. Et la source, pour moi, c'est Eudes Arpin. Vous voyez comment travaille le criminologue par rapport aux historiens. Et les historiens, Eudes Arpin, il y en a très peu qui en parlent. Et alors, ici, donc, à cet endroit-là, c'est exactement la ville d'Eudes Arpin. Il se trouve qu'aujourd'hui encore, c'est un élevage de moutons mérinos. Exactement au centre de l'étoile du Sceau de Salomon. Et quand j'y vais, ça je l'ai raconté l'année dernière, j'y vais trois fois. C'est seulement la deuxième fois que je suis un peu au courant de ce qui se passe là-bas. La première fois, j'y allais au hasard. Et là, je sais que la famille s'appelle de Lamerville. Ils sont là depuis 300 ans, monsieur et madame de Lamerville. Et donc, je demande à voir, etc. Les circonstances font qu'il est très pressé, il n'a pas le temps de me recevoir. Il dit, je vous accorde un quart d'heure. Donc, j'ai pas le temps de me présenter. Il dit, en un quart d'heure, je vous pose 3-4 questions, etc. Puis, il va très vite, au cours de ses questions, se rendre compte que je suis plus au courant que lui de ce qui se passe sur sa propriété. Donc, il me dit un peu plus qu'un quart d'heure. Donc, après 1h30 de discussion, j'ai dit, on va rester en contact. Et là, je me présente, puisque je m'étais pas présenté. Il dit, je m'appelle Monsieur Piévé. Il me regarde, Monsieur de Lamerville. Il me regarde avec des yeux comme ça. Vous êtes parent avec la mère de la ville? La mère de la ville, Monsieur de Lamerville. Il dit, comment ça? Oui, Madame Berthe Piévé. Vous savez comment se prénomme ma maman? Berthe. Ok, donc c'est un peu compliqué. Donc l'agneau les conduira aux sources de la vie. Il se trouve que là nous sommes au centre de l'étoile de David du Sceau de Salomon. Ça veut dire agneau. Hein? L'âme, ça veut dire agneau. Par exemple, tout à fait. Et alors ici, Zacharie, ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Vous avez ici les axes qui vont sur le côté. C'est pas fini, évidemment. Ça ne peut pas être fini. Je viens de vous parler donc des chaumes de la Périsse. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville où les serviteurs lui rendront un culte. Vous avez le blason de la ville, le blason actuel de la ville de Dun, le blason de Darpin, donc l'ancien blason. Et donc le culte du mouton, c'est l'élevage du mérinos à l'heure d'aujourd'hui. Et puis vous avez effectivement le trône de Dieu, il est ici, Gravelines, ville créée par Philippe d'Alsace, comte de Flandre, comme ce nom ne l'indique pas. L'agneau, je viens d'en parler. La suite, évidemment. Ça y est, ça apparaît. Ça va apparaître. Bon. Au milieu de sa rue et du fleuve, c'est ceci. Donc vous aurez compris que mon interprétation, c'est qu'en fait, ce qui est dessiné sur la France, c'est la Jérusalem céleste. C'est la nouvelle Jérusalem de l'Apocalypse. Ce qu'ils ont voulu dessiner, c'est le concept de Nouvelle Jérusalem décrit dans l'Apocalypse de Jean. Et donc, de ça et là, de là, était l'arbre de vie portant 12 fruits. Pour moi, les fruits correspondent à différents points qu'on va trouver au bout de mes lignes. Vous avez ici la grotte de Lourdes, grotte de Massabielle. Massabielle, vous inversez, Belizama. Donc, je vous rappelle que la grotte de Lourdes n'est chrétienne que depuis 1858. Apparition mariale à Bernadette. Donc auparavant, vous voyez, Lourdes comptait pour rien. Non, c'était un lieu celte dédié à Belizama que le christianisme a transformé en Massabielle, en inversant les choses. Bon, alors Montendre, on en parlait tout à l'heure. Je disais, il y a des noms assez marrants quand même. Donc déjà, Montendre, c'est l'endroit où se réunissent le masculin et le féminin. C'est que vous avez un triangle formé, ici un triangle en bas, qui est un triangle féminin, qui est en fait
Sur la croix des rois, le lieu de pèlerinage marial, datant du XIIe siècle, c'est pas Lourdes, c'est Bétharram, un lieu de pèlerinage qui est venu depuis le XIIe. Et de l'autre côté, c'est pas la grotte de la Sainte-Baume, c'est Saint-Maximin à la Sainte-Baume, avec le tombeau de Marie-Madeleine, découvert par Charles Ier d'Anjou. Et donc, ça, c'est le triangle féminin. Vous avez Bétharram, Marie, Saint-Maximin, Marie-Madeleine, et Notre-Dame de Paris. Voilà. Ce triangle féminin est invité dans le deuxième message à s'élever, à ascensionner pour rencontrer le triangle masculin, masculin parce que nous avons Saint-Michel, Saint-Georges, dont je vous rappelle que tous les deux ont l'épée ou la lance pointée vers le bas. Donc le rôle du masculin, s'il veut rester sacré, c'est de garder son épée vers le bas, messieurs. Par contre, le rôle du féminin, c'est de se dire, ouais, donc quand même, si je veux m'élever, cette énergie-là m'est nécessaire, il va quand même falloir que j'accepte certaines choses. Et donc ce triangle formé par la croix des rois, en ascensionnant, va effectivement former, en rencontrant le triangle du masculin, l'étoile de David ou sceau de Salomon, au centre duquel se trouve le trône de l'agneau. Et là, nous avons le yin et le yang. Alors, et du coup, à Montendre, c'est cette pointe-là. C'est la pointe ouest du triangle féminin quand il a ascensionné. Ça s'appelle Montendre, c'est génial. Hein? Quand le féminin a accepté de rencontrer le masculin. Et les lieux-dits, alors excusez-moi, mais c'est sur la carte, je peux pas faire autrement. Vous avez le Nick. Vous avez tout l'Issau. Hein? Il lui faut tout. Okay? Vous avez le terrier de Marie. Tout ça dans un rayon de 600 mètres, hein? Évidemment. Okay? Et vous avez, sur les cartes de Cassini, parce qu'aujourd'hui le nom a été changé, vous avez Naissant. D'accord? Donc la rencontre du masculin et du féminin, la pointe donne Naissant, mais après le nick. Hein? Bon, voilà. Ils avaient de l'idée quand même, hein? C'est pas mal foutu. Hein? Par contre, Naissant a changé de nom sur les cartes aujourd'hui, ça s'appelle Tiens-tu bon? Tiens-tu bon? Ah ouais, il y a un lieu-dit qui s'appelle Tiens-tu bon qui remplace Naissant. On voit où on est descendu, hein. On voit où on est descendu. Bon, bref, les Paralènes, j'en ai parlé, Bourneseau, j'en ai parlé, le Mont-Saint-Michel, j'en ai parlé, le Port de la Lumière, j'en ai parlé. L'autre côté, brièvement. Ouais, eh ben, je vais donc aller, non, pareil, l'autre côté. Je vous raconte pas les légendes, mais vous avez les autres fruits. Alors, voilà. Ça apparaît, oui. Isaïe 35. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte, c'est celle que je suis en train de vous décrire. Nul, voilà, pourquoi, peu importe, point de lion, nulle bête féroce, les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion. Bon, je vous rappelle ma filiation. Et si vous partez de ce point ici, qui est l'embouchure de l'A à Gravelines, que vous tracez une ligne qui passe par Moteurne, le point extrême, à l'est de la France, de cet axe horizontal, devinez à quel endroit vous arrivez? Sur le mont Sion à Jérusalem. Faisons quoi? Comment? Une ligne droite. Quand si on continue jusqu'au bout. Ah, c'est, oui, voilà, la ligne qui est là. On passe donc de la pointe de la pointe du sceau de Salomon ou de la pointe de la croix, on passe par Moteurne, on arrive sur le mont Sion. Si on fait la même chose depuis là, en passant par le mont Saint-Michel, on tombe à 600 mètres de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, c'est quand même bien conçu, cette affaire-là. Alors ça, c'était pour la correspondance, les correspondances bibliques. Dans les 7 minutes qui me restent, je vais donc aller rapidement sur un autre sujet. Je passe les autres symboles possibles. Vous avez évidemment l'étoile à cinq branches. Vous avez le monogramme marial, vous avez Maria, qu'on retrouve dans une chapelle du XIIe siècle, dans la seigneurie de l'Aubépin, dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin juste la pointe. Donc ça, je passe tout ça, on va arriver à la signification initiatique, et je vais directement démarrer par le tarot. Alors, à un moment, je me suis intéressé au tarot, je me suis dit, tiens, il peut y avoir des correspondances. En jaune, je vous ai mis les choses qui étaient évidentes. Il y a un lieu-dit qui s'appelle le démon. Ben, je fais correspondre à l'arcane 15, le diable. Ensuite, deuxième chose évidente, il y a un village qui s'appelle Saint-Just-la-Pendue, donc ben, là, on fait correspondre au pendu, évident. Ensuite, ben,
là, on rentre dans l'interprétation, mais le Christ, Ors Logan, le port de la lumière, ben, je fais correspondre à l'arcane 19, le soleil. Après, je me dis, mais tiens, a priori, c'est un cheminement remontant, cette affaire-là. Ce qui est le cas. En fait, ce cheminement est un chemin qui va du nord, du sud au nord. Et donc, le Christ, le soleil, évidemment, Matra, déesse de toutes les eaux, la lune, et la rue Saint-Pierre, les clés du paradis, et bien évidemment, Saint-Pierre est connu pour être celui qui est l'officiant du jugement dernier. Donc je fais correspondre le jugement. Tout ceci est assez logique. Le reste, mais d'interprétation, discutable évidemment, mais vous allez pouvoir trouver, alors je vous mets l'ensemble d'un coup, évidemment, au sommet, le monde, 21, hein, les quatre vivants, etc., et la suite, voilà. Petite chose intéressante, le village qui est à côté de l'Aubrespy s'appelle Copujol, l'union dans la joie. Et c'est justement, donc là on est à la pointe du saut de Salomon sur la France, et c'est à cet endroit-là que mes aventures commencent, dans des stages de tantra, rencontre du masculin et du féminin, et que cet endroit-là, il y a des tas de légendes d'un village également. Bon, bref. Donc pour moi, il y a des correspondances dont je ne vais pas développer ici le sens, mais chaque endroit a une correspondance évidente avec la symbolique du tarot. Je m'arrête quand même sur celui-ci. À un moment, il ne me restait plus que la 16 et la 17, la maison de Dieu et l'étoile. Au centre de l'étoile, je vais mettre l'étoile. Je ne veux pas mettre autrement. Donc il me restait la maison Dieu à mettre sur l'île de la Cité. Vous connaissez la symbolique de la maison Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, vous avez une tour en flamme et avec un personnage qui se casse la figure. Voilà, Notre-Dame. Et il fallait que quelque chose se passe. Donc il y a une collusion entre le factuel, le symbolique, l'histoire et l'actualité. Et tout ceci se mélange, et moi j'essaie de me dépatouiller avec mon cerveau de criminologue et de psy pour pas devenir fou, mais parfois je doute que je sois pas tout à fait sain d'esprit. Nous avons évidemment celui-ci. Non, ça le rébus hermétique, évidemment on l'a, mais je vais pas vous le mettre. Je vais vous mettre, puisqu'on en a parlé, l'arbre des séphirotes. Voilà, alors ça, la référence à l'Apocalypse, évidemment. Et, hop. Je vais les faire apparaître. Comme l'a évoqué tout à l'heure Yann, en bas, nous avons ce dolmenna Christiana, qui correspond à la déesse Dana, qui est la déesse des abysses. D'accord? Et donc, cette déesse des abysses, pour moi, symbolise Malrout. Le haut, la couronne, Keter, A-A, donc c'est la rivière, hein, qui est là-bas. Donc, je rappelle que ce village de Gravelines, à l'embouchure de là, est créé par le comte de Flandre, lui-même commanditaire du comte du Graal. OK? Donc, on est dans une volonté absolue de nous laisser quelque chose. Et que ça correspond pour moi à In Sof Aor. Qui est, pour ceux qui connaissent la Kabbale, hein, là, on va dire la lumière divine, ça correspond aussi à Abba, Abba Père, hein, dans les évangiles chrétiens, Abba, Abba, pourquoi, enfin Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça correspond à Aqua, l'eau également, ou à Awa en langage local, qui était le fleuve. Bon, voilà. Donc il y a une correspondance. Vous avez également, sauf que là, je vais toutes les mettre d'un coup, ah, ok. Les clés du royaume, pour moi, c'est alors Da'at. J'ai hésité entre Da'at, c'est la connaissance infuse, on va dire. C'est une sphère, une séphira qui n'apparaît pas, qui est symbolisée par un demi-cercle. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'invisible. C'est cette connaissance qui nous est transmise quand on est connecté, quand on est attentif à ce qui se passe en dehors de nous. Et, au sacré ou au divin, pour, selon votre vocabulaire. Et donc, j'ai pas voulu mettre ça à Paris, parce que je trouvais que Paris correspondait pas vraiment à la connaissance infuse. Donc, c'est plutôt logique de le mettre à la rue Saint-Pierre, qui porte les clés du paradis. Alors, vous remarquez, pour ceux qui connaissent l'arbre des séphirotes, qu'on est en miroir. Il est inversé. Et c'est logique, parce que ici, Bina, c'est le principe féminin. Le principe féminin correspond nécessairement à Moturne.
Matra. Ici, c'est le principe masculin, ben, l'eau Christ, ou l'oug. Donc, ben, je ne pouvais pas faire autrement que de considérer que c'était le microcosme en miroir du macrocosme. Voilà. Et comme il me reste 3 minutes, je vous fais grâce de ça, vous irez le voir dans mes bouquins, puisque je vais accélérer pour vous en montrer un autre. Mais tout, alors tout colle, hein, je vous assure que tout colle parfaitement. L'échelle de Jacob, je ne vous la fais pas, mais elle y est. Oui, j'aimerais bien savoir ce que c'est l'échelle de Jacob. Alors, le songe de Jacob au gué du Yavok. Dans certaines églises. Ouais. Alors, en fait, dans la Bible, on a juste, il raconte le rêve avec les anges qui montent et qui descendent. L'interprétation, c'est que ce sont des degrés qu'il faut franchir pour arriver à être en connexion avec ces mondes invisibles, le sacré, le divin, comme tu veux l'appeler. Et donc, cette échelle de Jacob a été reprise par les clercs ou par les ésotéristes pour essayer de, dénommer les différentes étapes. Et donc, ce qui a été écrit sur la France, à travers les différents lieux dont je vais parler de la plupart, mais pas encore de tous, on retrouve les différentes étapes du cheminement spirituel. Voilà. Merci. Alors, donc, je vous passe l'échelle de Jacob. Je vais revenir à... Bon, les chakras, ils sont aussi... le yin et le yang, je vous en ai parlé, je ne vais pas vous le montrer. C'est l'alchimie que je voulais évoquer. Elle est où, l'alchimie? Elle est là, voilà. Voilà. Alors, nous avons une gravure alchimique qui doit être du 16e, donc beaucoup plus tard, mais qu'on retrouve aisément avec les différentes lignes qui sont là. Donc ça, c'est, on va dire, le point de départ pour se dire que nous avons une correspondance, c'est celle justement que je viens d'évoquer, avec le Soleil et la Lune, puisque tout à l'heure, je vous ai dit, pour slogan, le Soleil et moteur, la Lune. Donc là, on l'a. Voilà. Mais ça, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin dans l'alchimie. Et là, on va prendre une gravure également du 16e, Christopher Morley, Theodorus Muykens, qui détaille les étapes alchimiques. Et il se trouve que vous avez sur la France des choses absolument extraordinaires correspondant à cette gravure. Vous avez deux grottes là. Là, vous avez la grotte de Bassabiel et la grotte de la Sainte-Baume. Là, vous avez les abysses, le feu. Je vous ai dit tout à l'heure, le dolmen Na Christiana, la déesse Dana, qui correspond aux abysses. OK? Ensuite, le château de Salvetera, la terre sauvée. Il y a un roc qui s'appelle le roc rouge à côté, qui a une histoire assez intéressante aussi. Et donc, c'est le démarrage du chemin. Par hasard, je vous en ai parlé tout à l'heure, par, en celte, ça veut dire le chaudron. Regardez ici ce que vous avez. Vous avez l'endroit où on commence à... Vous avez des volutes à l'intérieur, là, de vapeur. On commence à chauffer. OK? Point d'interrogation, hein, je suis pas sûr de tout. Donc, on a évidemment au centre la périsse. Alors, est-ce que c'est le caducée? Est-ce que c'est la couronne? Pour moi, c'est la couronne. Bon. L'île de la Cité... Est-ce que les alchimistes peuvent reconnaître à quoi correspond ce rond rouge, là? C'est le signe du soufre en alchimie, dont Stéphane nous a parlé tout à l'heure. Donc, pour moi, l'île de la Cité, Paris, donc, correspond à la symbolique du soufre en alchimie. Il vous faudrait une journée pour en parler, pour développer la symbolique et rentrer sur ce que ça signifie au niveau du chemin intérieur. Ce qui m'intéresse, moi, ça, c'est de la structure. Mais ce qui m'intéresse, c'est le chemin à faire grâce à ça. C'est ça dont j'aimerais pouvoir vous parler. Sauf que, pour pouvoir vous parler de ça, encore faut-il avoir présenté l'ensemble de la structure. Et c'est là que vous comprenez qu'à chaque fois, il ne me donne qu'une heure, alors qu'il me faudrait au minimum une journée. Et encore, il me reste 1 minute. Donc, bon, voilà, vous voyez les correspondances. Et je vais terminer avec laquelle? Je vais terminer... Oui, bah tiens, bah, je vais terminer avec celle-là. Donc, évidemment, les chakras, ils sont... Je vous passe. Mais... pour faire un petit lien avec ce que je viens de vous dire, avec l'actualité, avec ce qui est vraiment important. Pour moi, ce que cette œuvre, ces deux œuvres en fait, nous amène à penser, ce que les Templiers avaient compris dès le départ, c'est qu'il nous faut changer de niveau et passer d'une ancienne étape d'un dieu transcendant, d'un dieu extérieur, à, avec cette traduction ancienne, le royaume de Dieu est parmi vous. Si vous êtes intéressé à l'histoire des traductions des textes évangéliques, aujourd'hui, on peut admettre qu'on peut le traduire par « le royaume de Dieu est en vous ».
Sauf que tout un temps, il y a eu des débats. Non, non, on va mettre parmi vous, parce que parmi vous, voilà, il peut être à l'extérieur, quoi. Donc, et j'aime bien cette petite, ce tableau ancien. Vous avez les deux personnages qui regardent un dieu extérieur, d'accord. Nous avons donc là un art qui est un art qui pousse à l'élévation. Donc, je pense qu'il nous faut passer de la révolution à la révélation du fait que le dieu n'est pas transcendant, mais qu'il est immanent. Que le royaume de Dieu, il est en vous. Et donc la représentation n'est plus un homme et une femme qui regardent au plafond, mais un homme et une femme qui se regardent, qui se rencontrent, qui rencontrent leur masculin et leur féminin, comme l'aurait dit une diapo que vous n'avez pas vue, mais que j'ai évoquée. Et donc, il nous faut passer de la révélation à l'art évolution. Et l'art, aujourd'hui ou avant, et cette œuvre-là, est pour moi une œuvre d'art qui nous pousse précisément à l'évolution, et c'est ce chemin-là que je vous invite à parcourir, soit intérieurement, soit sur la France. Vous le ferez bien mieux en lisant mes livres qui vous racontent les différents endroits. Thank you.